Et pour me coûter 5, 6. Bon, 111. Ça a sonné, alors. 5111, tiens. Merci. 5 et 1, 1, 1, 1. Attends. Ah, voilà. Deuxième aussi. 3201. Ça y est, ça a sonné. 3596. Tu viens signer, s'il te plaît. 6008. Voilà. Ça va. Oh, mais c'est pas la peine que je vienne. On sait d'entrée qui va gagner maintenant. Bah oui. 1355. 1355. Tu peux signer, s'il te plaît. Bouge pas, 3239. Merci beaucoup. Oui, 9124. Allez, dans l'eau. Tu peux les mettre ici, ça fait un peu. Donc 2853 2650. On n'a rien pris. Ça a pris 40 minutes. 40 minutes, puis après, des bouillons. On a réussi, eux, ils ont dessus. Ah. 4781, voilà. J'ai entendu ça. Alors, 4701. Tu signes, s'il te plaît. 1021. 1021. Tiens, tu les remets à l'eau, s'il te plaît. Tu signes, grand. 5. 2000. 2105, tiens. Tu viens signer. Attends, ça va, ça. 2000. Merci. Depuis tout en haut, vous êtes deux, non ? 6903. Oh, bon, on a marqué deux points sur le, la mitaine. Tiens, c'est bien. On fait une photo ou... T'as été trop vite là. 2784. Non mais j'avais dit à la coupe. Le secret pour que peser se passe bien. Ça s'arrête normalement. Mais ça dépend. Là-bas on a attendu une heure et quart. Le poisson est ici. 9275. Youpi. 9275. Faire une dédicace à Christophe Gazanois, c'est le moment. C'est pour Thomas Duflo. C'est pour Thomas Duflo. Voilà. Les poissons. Ok. Allez. Bah, c'est bon. Pas mal. Hey, André, et en plus, il faut savoir que c'est quand même Renaud Godin. Voilà qu'il a 3576. Renaud Godin qui l'a coaché, le mot, mais il était doué. Hein. Tu signes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais de pêcher avec des mecs pareils? Franchement, garde-moi ça. Qui sont latin, s'il te plaît. Il a bougé ou non? Viens, on fait la pesée avant, s'il te plaît. André. T'as mis le t-shirt, tu savais. Je savais quoi? Pour le pesant. 8662. Tiens. Deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit.
8764. Voilà. 10278. Maxime, cuisine, s'il te plaît, on se trouve. Merci. 7398. Cuisine, s'il te plaît. Tu viens signer, s'il te plaît. Marco. 2230. Jean-Luc. 75. 6375. 6363, ouais, bah il faut maintenant, on l'a fini. Hein, ouais. Et moi, nous, on est sur la pointe. Là, on est oui. Ça y est. 5021. Allez, hop. Les gars, faut faire ta séance. Non, j'ai entendu sonner. 5524. Tu signes. Et là. Ça dépend, ils ont affiché un peu de quoi ton mort. Alors, 5039. Tiens. Ah ouais, tu vois. Ce que j'avais dit. En fait, bon, Gilles, 9847. Ouais, c'est pas mal. Vous avez fait ? Un petit 10 000, 9845, exactement. Alors, j'ai pas pu vous demander ce matin votre fameux secret. Et je suis sûr que vous avez fait à peu près la même chose, alors ? L'amorce ? Ouais. Deux gros gardons fine mouture, un étang, 2 kg de terre de somme. Ouais. Et à côté, on a mouillé un skimmer et un terre de somme, pour pêcher au rappel. Un skimmer, c'est une nouvelle amorce ? C'est une nouvelle amorce, ouais. C'est un mélange d'explosifs et d'ablette orange. Ah ! Qui colle un peu plus. Ça colle un peu plus que l'ablette orange. Que c'est une amorce orangée, légère. Bon, bah. Et vous... si tu préfères, oui, voilà. Ça vous fait à peu près combien de poissons ? 600. Ouais, 600. Un poil moins que 600, 580. Entre 580 et 600. Et on va essayer de faire aussi bien demain, mais ça, c'est pas gagné. Ah, on avait l'aile aujourd'hui. Donc vous savez où vous tombez demain ? Oh, oui, on a retenu numéro 1, mais en face, là, entre les deux étangs. Sur la digue, là, sur la digue, entre le les deux étangs. Le secteur qui est tout seul, là, ouais. Ah oui, alors là, bonne nouvelle, je vais pas pouvoir venir vous embêter. Ah. Non, je vais vous filmer l'en face, aujourd'hui, j'ai même pas pu. Ouais, là-bas, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Hein. Une fois que vous êtes installé, vous bougerez plus. Hein. Ah, s'il y a le feu, vous êtes mal. Hein. Non, mais c'est sûr. Et même les bagnoles, je suis pas sûr qu'on puisse rentrer avec les voitures. Alors, ils sont rentrés, ils ont fermé le truc, et moi, quand je suis passé une fois derrière, j'ai dit non, trop peur d'escarter du matériel.
Donc bonne nouvelle, mais je viendrai vous voir le soir. Déjà voilà, on a gagné notre secteur, c'est déjà une tarte. Alors qu'est-ce que tu penses de cette place-là? Parce que cette place-là, c'est tout ou rien souvent. Alors la place, c'est pas un problème de place en, oui. en vérité. C'est la période à laquelle tu la pêches. Oui, et c'est surtout le problème de profondeur. C'est une des seules places qui est plus profonde que le reste du secteur. Donc il y a des moments de l'année où il y a les poissons qui se tiennent, et des moments de l'année où les poissons se tiennent pas. Au mois de mai, généralement, ils s'y tiennent pas parce que c'est la période de frais, donc bah, là, ils vont dans les zones moins profondes. Là, ça semble être un petit peu sorti de cette période-là, donc il y avait des poissons un peu plus partout. Donc on a pris des poissons, voilà, c'est pas la place qui est mauvaise plus qu'une autre. Et le manque de vent, parce que là aujourd'hui... Ce qu'il faut savoir, c'est que nous qui étions 8 du secteur et Alain Delune qui était 4, c'est quand même pas loin, toi. Ouais. Ils ont 1 mètre de fond de moins que nous. Mmh. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait une amorce un peu plus... collante. Gardon, quoi. Ouais. Parce qu'il y a plus d'eau. Ouais. C'était la raison. Bon ben, je vous fous la paix. C'est bien. Merci. Alex. Voilà, Jean-Didier Urbanski du Team 08, Romain Guillon du Team 08. Ah. Ah. Vous avez encore gagné le secteur, je veux dire. On a gagné le secteur, c'est vrai. Avec avec 6000 points, 380 gardons en gros. Alors voilà, une pêche compliquée quand même. Des petits poissons, mais bon, il faut beaucoup de relevés. Mais bon, c'est l'époque qui fait ça, au mois de juillet, voilà quoi, le poisson est décollé un peu. Vous avez pêché un petit peu décollé? Non, décollé, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas mieux. Valait mieux rester sur le fond. Moi, je suis resté sur le fond. Alors, la touche. Vos plombes touches sur vos lignes, c'était quoi? La ligne qui a bien pêché pour vous? Ah bah ouais, c'est les plombes qu'on pêchait. Moi, au bourg, c'était 4-12. Et moi, 0-6 au large. Et maintenant, les plombes touches, c'est à 0-6. Je te dis ce que c'était, le plombes touche. Oui, bah, ça peut. Un petit style carré, numéro 13. Est-ce que tu penses que ça fait pas la différence, que le poisson il regarde avec la descente? Avec l'autre ligne, peu de mode à Romain, je voulais arrêter parce que je déclenchais pas de touche. Et moi j'avais un plomb de 11 sur ma ligne. Ça c'est classique, ça c'est classique. Ouais. Mais là au bord c'était parce que je viens de faire une vidéo avec Michael Akionis et David Pouillard, oui. qui m'explique justement cette... et il me parle d'un plomb de 0,12 par exemple, sur lui, et c'est Michael Akionis qui me dit. Oui, oui. Bah, je ne sors rien de ma tête. Hein. C'est le truc qui déclenchait un peu des touches, et encore, c'était pas des touches rapides, je te rassure. Le problème aujourd'hui, c'est que comme il n'y avait pas de vent, c'était compliqué de pêcher correctement. Il fallait être plus malin que le poisson, quoi, on va dire, en gros. Quoi. Il fallait quand même toucher la ligne en permanence. Faire des pompes. Ah, il fallait que ça soit actif. Il fallait leur remettre aussi beaucoup d'èches, de l'amorce. Ils venaient beaucoup dans le nuage. Mais est-ce qu'ils viennent dans le nuage parce qu'ils sont curieux, pas parce qu'ils ont faim, on est d'accord? Ah bah, s'ils n'ont pas faim... Au bout de 2 heures quand même, il faut bien rentrer dedans. S'installer quand même. Ça a mis 2 heures pour rentrer. Ça a été très compliqué à faire. L'amorce que vous avez faite, c'était une amorce de chez vous? Alors attends. Et moi, je l'ai teinté un peu. C'est-à-dire que j'ai mis un peu de noir dedans. Pour ne pas faire une tâche. Ouais. Pour éviter les petits. Les zinzins, parce qu'il y en avait un paquet de zinzins. Parce qu'il y avait plein de petits poissons qui mouchaient au départ. Et c'est donc à 3000 étangs sans ça, c'est ouais. tout Une terre de somme. Un kilo combien? Un kilo et demi. Un kilo cinq de... Et la tamorce, combien de paquets? Il y avait presque 2 paquets. Ouais. Wow. 2 paquets et 1,5 kg de terre de somme. Ouais. Et tu préconises pas une amorce sans terre de somme, présent sans terre toi non plus? Je mets tout le temps de la terre de somme. Alors, deuxième chose, je mélange Romain, la terre Romain à l'amorce sèche et après je mange. Vous faites la même chose que ce que me dit David et Michael Akionis. Pour avoir un nuage plus compact. Et puis même avec le noir que je mets dedans, ça incorpore dans la terre de somme. Donc ça te fait aussi un nuage plus sombre. Ouais. Tu penses qu'ici ça peut être un petit plus? C'est parce qu'on ne voit pas trop de contraste. Moi ici, voilà. Il n'y a pas d'eau, hein? Il n'y a pas d'eau déjà. Et je pense que pour moi c'est bien. Après, ça regarde que moi. Non mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est régulier qu'à Grosval, tu aies des résultats. Alors souvent j'ai cru que c'était parce que tu étais très très rapide, et c'est une évidence, que tu as aussi une dextérité, comme aurait David Pouillard, je le dis. Mais tu vois, on voit bien que après, tu es plus nerveux, donc on a l'impression. Parce que ton voisin, je le dis haut et fort, on n'a pas l'impression que, mais les pesées, un coup c'est toi, un coup c'est lui qui est au-dessus. Oui, de toute façon, on n'est pas trop regardant là-dessus. Il peut faire 14 000, je peux venir regarder à côté, moi ça ne me dérange pas. Non, souvent on est équilibré.
C'est parce que là, on n'avait pas chaud. Mais je te dis, dans l'action de pêche, quand on vous... Comme t'as des... C'est parce qu'il a des grands gestes. Ouais, ouais, non. Ouais, j'ai des gestes. On peut dire que Gazanois, c'est justement, il a des gestes, pas des grands gestes. Et quand tu le vois pêcher qui est à côté de lui, tu te dis, oh, ça va, je le tiens. Puis quand il lève la bourriche, à chaque fois, tu te dis, mais comment ça se fait, je ne vais pas lui faire tous ces poissons. Parce que ça revient tout doucement et tout. Et... Oui, bah après. Mais je te dis, c'est aussi efficace l'un que l'autre. Tu regardes Gilles et Alexandre. Ils font pas de grands gestes. Non, non. Bah, ils s'économisent. Ah bah. Encore merci pour votre partage pour tout le monde. De rien. Parce que je pense que les gens vont faire un moment qu'ils comprennent que c'est sur des points de détail que vous arrivez à les battre. Après, vous avez votre dextérité et tout ça. Mais c'est très gentil d'avoir parlé de ton plomb de 13 sur ta 0. Oh, un plomb carré, style carré. Donc c'est en dessous du 13 ? Non, 13. Oh, oui, au moins 13. Ah, c'est vraiment. Hein. C'est je peux chercher la ligne, dans le paille. Non, mais si, parce qu'il y a une apparemment partie. Apparemment 58. Ouais. J'ai le numéro 58, donc en face. La première retenue, mais en face. On verra bien. Ouais. Après, je te dis, mais merci pour le partage, pour tout le monde. Pour tout le monde. Non, non, non. Merci.